Bonjour, j'appelle Guillaume et je voulais savoir s'il était possible de prévoir le hasard. Donc la première réponse que j'ai envie de donner, c'est non, parce que si c'était prévisible, ce ne serait pas du hasard. Et en fait, cette question renvoie à la question de ce qu'est le hasard concrètement, et même s'il existe. Donc par exemple, si on jette une pièce dont les résultats sont pile ou face, a priori, est-ce que c'est vraiment aléatoire, hein, le résultat si on connaissait parfaitement la façon dont on avançait, l'environnement, le frottement au niveau de la table, on pourrait déterminer avec précision, grâce aux lois de la physique, le résultat, pile ou face. Donc en ce sens, ce n'est pas aléatoire. Mais évidemment, il y a tellement d'incertitudes sur l'expérience, et puis il y a une telle sensibilité au moindre changement de lancer sur le résultat. Donc il y a tellement d'incertitudes autour de tout ça qu'on peut admettre que le résultat est aléatoire. En tout cas, il n'est pas prévisible. Et donc si on est d'accord avec ce point de vue, on va appeler hasard une expérience non prévisible. Bon, en ce sens, le hasard n'est pas prévisible. Quand on lance une boule dans un jeu de roulette, de la même manière, si on connaissait exactement les conditions de lancer et les conditions de la roulette, avec les moindres imperfections, etc., la physique pourrait nous déterminer le résultat du lancer de la boule et nous dire exactement dans quelle case cette boule va tomber. Mais il y a tellement d'incertitudes sur ce lancer qu'on n'arrive pas à prédire. Il faudrait mesurer avec précision l'expérience, connaître parfaitement toutes les conditions pour connaître le résultat. Ça rejoint une théorie bien connue, la théorie du chaos, qui dit qu'une infime variation dans une expérience déterministe, une infime variation des conditions initiales peut avoir une influence énorme sur le résultat. Donc là, pour le lancer de la bille, une toute petite variation du poignet au lancer et le résultat du lancer de roulette est complètement différent. En réalité, le hasard n'existe pas, mais c'est une modélisation des incertitudes que l'on a sur les expériences. Ouais.